Le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement est un accord de libre-échange négocié entre l'Union européenne et les États-Unis. Le TTIP, ou TAFTA, est présenté comme le grand remède à une Europe malmenée par la crise économique, le chômage et la montée de l'euroscepticisme. De loin, le TTIP a l'air bien. Il est vendu comme LE moyen de stimuler la croissance et créer des emplois. Mais sous la surface, la réalité est bien plus sombre. Les demandes d'accès à l'information ont révélé que 93% des réunions préparatoires de la Commission européenne sur le TTIP ont eu lieu avec les lobbyistes des entreprises. Alors qu'aux États-Unis, 85% des membres des commissions consultatives représentent le big business. Le TTIP menace la santé, l'environnement, les services publics, l'agriculture et les PME. Les entreprises les plus puissantes de la planète s'organisent pour que cet accord serve leurs intérêts, même si c'est mauvais pour nous. Le président de la Commission européenne souhaite que l'Union européenne soit plus transparente, mais les négociations se déroulent dans l'opacité. Les citoyens n'ont pas accès aux documents clés et disposent de moyens limités pour influencer les négociations. Même leurs représentants sont maintenus dans l'ignorance. Alors faut-il croire toute cette propagande ou devons-nous réclamer l'accès à tous les documents ? Exiger une transparence totale dans les négociations sur le TTIP, rejoignez le combat.